Voilà. Nous sommes, quand est-ce aujourd'hui? En tout cas, je vous vois bien propre avec M. Jean-Marc Lecoq, votre formateur. Voilà, qui est venu spécialement pour vous former. Mais bonjour. Vos sentiments ce matin pour la formation? Pour l'instant, il se débrouille bien. C'est voilà. Un peu long, mais c'est normal, c'est la première fois qu'il monte. Mais pour l'instant, ça va. Ils m'ont pas encore trop fait crier. Ok. Mais est-ce que par rapport à la dernière fois, l'égard que vous avez eu pour la formation, oui. Est-ce que c'était bon? C'était bon. C'était bon, voilà. En tout cas, vous êtes apprécié. Voilà. En tout cas, je vous dis que c'est un métier très noble. Faites attention, vous serez recherché dans le monde. Moi, je m'appelle M. Mampassi François. Oui, vos sentiments ce matin par rapport à la formation? Non, je suis très ravi parce qu'on a fait déplacer M. Lecoq pour venir nous donner la formation commune de base pour le monteur d'auteur. Oui. Vraiment, je suis très très content. Est-ce que... À mon avis, vraiment, c'est même ça. Il fallait que nous puissions arriver à cette étape afin d'exercer les travaux en hauteur. C'est comme un rêve. Ouais. Voilà, que peut ajouter mon cher... Makaya Mbazaki Rigel. Oui. Agent ET2. C'est ma deuxième fois, je suis venu dans notre stage là. Ça ne faut hésiter pas. Mais je suis monteur, je suis vraiment... ça fait pratiquement une année, plus plus. Je travaille à Pointe-Noire, on a construit la ligne de Pointe-Noire. La ligne de Tchèque qui est MCK2. C'est bon ça? Plein de 90 mètres de terrain. Je n'étais pas formé d'abord dans ce travail. Et grâce à M. Lecoq, la fois dernière, j'ai été formé, je n'étais pas pu. Ça, c'est ma deuxième chance vraiment. La deuxième chance? Hier, donc cela veut dire que tu avais manqué la première chance. Oui, hier sur la théorie, vraiment, je suis déjà apte. En tout cas. Et aujourd'hui, là, M. Lecoq est là sur le terrain. Lui-même va passer dans cette soirée. Si je suis apte ou bien comment pour la pratique. Mais moi je suis apte, je suis sûr de moi. Ok. Mais que peut ajouter mon cher frère que je vois tout. Moi c'est M. Richard. Oui. Vous savez, on a souvent dit que la patience est la denrée du temps. Aujourd'hui, nous voilà à la formation. Je suis vraiment très ravi. C'est pour ma première fois. Dernièrement, vous étiez fâché parce que le lot n'était pas sorti pour la première formation. Aujourd'hui, le lot est sorti. Allez, vos sentiments ce matin? Non, vraiment, les sentiments sont les meilleurs. Vraiment pour aujourd'hui. Et quant à mon cher frère? Non, je remercie beaucoup. C'est M. Guy Bernard Bakampi. Je remercie beaucoup la société Etodo qui a fait de nous aujourd'hui des monteurs. Et nous irons partout. On aura besoin. En tout cas, mon cher, je vous jette des fleurs. C'est un bon métier. Il est noble. Vous serez recherché dans le monde entier. En tout cas, bonne chance. Merci. Parlons français. Voilà, c'est le formateur. C'est moi encore, ouais. Voilà. Bon, Richard, tu peux venir? Évitez. Nous sommes au pylône 145. Voilà. Regarde-moi, je vais te filmer là. Les monteurs. Fais ça Moupengue interview. Qu'est-ce que tu crois? Là, ils sont hauts. Là, ils descendent. Et les presque à la fin. Voilà. Les monteurs. Nous sommes au 145. Mon nom est Ndaï. C'est la première fois que je fais la formation. Et j'ai retrouvé quand même les anciens qui ont commencé avant moi. Et lui, il a commencé depuis 30 ans. Et ça lui fait déjà combien de temps? Deux ans déjà. Ils sont les anciens. Et il a quand même démontré que c'est un ancien. C'est le nom que j'oublie. Il n'a pas. C'est Monsieur Makaya. Monsieur Makaya. Monsieur Makaya, oui. Ouais, Monsieur Makaya. Monsieur Makaya, ET2. Ouais. Ça va être déjà pour je suis venu en formation. Je suis avec mes frères. Ça passe bien. On est sûr, on doit vaincre.
quelle que soit la chaleur du pilon, que ce soit 90 mètres de terre, 100 mètres de terre, on est sur de nous. Okay. C'est notre métier. Très bien, Clavert. On est sûr. Merci. Nous sommes à la pratique de stop chute. Comment on dit bonjour dans le patois ici du village? Beauté. Bonjour. Beauté. Beauté. Ah. Il y a ça. On est gala. Non. Super monteur. Gala. Bonne nuit. La pratique. Stop chute. Voilà. Non, mais l'accord de musique. Beauté, maman. Descends. Il reste. Deux encore. Deux encore. Vis. Allez, vas-y. Pas de conneries, hein, Clévert, hein. Il manque pour aller placer la ligne de vue. Là, t'as pas dit pas encore. Allez, tu tournes. L'autre l'a fait à la première ceinture. Quand même. Il fait le tour du pilon à la première ceinture. Voilà. C'est M. Ngondo. Allez, un autre. Fais comme lui là. Là, il prend le contour du pilon, là où se trouvent les herses. Et l'autre en haut pour l'installation de la ligne de vue. Voilà. Voilà. On met ta main sur les bancs. On le sait, non? Voilà. Alors,
C'est parti, monsieur Richard. C'est parti. Sur la poutrelle en bas, oui. En bas. Il y a quand même la belle salle qui est là-bas. La corner, 26. Là. La corner, 26. À l'extérieur. Dion, sort. Pas dedans. Regarde, là où il est, s'il tombe, il prend les cornières. Oui. Je suis avec toi, papa. Je suis avec vous. Là où tu as le pied. Voilà. Oui. Je suis avec vous, papa. À bas de 25, bas de 25. Oui. Faut écarter quand même. À côté. Là où il y a le V. C'est ça. Oui. La là où tu es là, la formule, tu viens de te mettre. Là jusqu'en haut du four. Là, le super monteur. Oui, le vis-à-vis. Le vis-à-vis. Oui. Tu étais en haut, tes appréciations. Non, oh, c'est beau. Bon. Faut avoir quand même. Le moral. Le moral de monter d'abord. Oui. La foi. Oui. Et tout. Ben, y a rien. Ok. Et je suis là, monsieur François. Oui. Là, il revient au haut du pylône. Oui. Tes appréciations. Non, mais vraiment, j'étais en haut, je viens de descendre. Vraiment, c'est impeccable. Sauf que
il faut seulement avoir du souffle. Le travail du haut, c'est un travail pénible mais payant. C'est un bon métier. Ok. Et là, c'est Monsieur Guy. Ouais, je n'ai pas encore monté, j'attends mon tour. Ok. Il n'a pas fait encore la une demi. Moi, je ne l'ai pas encore fait. 1, 2, 3, 4. Tu étais en haut déjà? Ouais, j'étais déjà en haut. Si, petit, j'étais déjà là. J'étais déjà en haut. Merci. La prestation. Ouais, c'est qu'est-ce que tu as vu? Ça a été pénible? Qu'est-ce que tu fais dedans? Sors! Ok. Il est venu de vie à quoi dans ma manifroche. 145. Bat! Trop tard. Mets ta ceinture et tes pinces. Voilà. On vient de finir la première partie. Oui. Pratique. Et là, monsieur Lecoq vient de dire aux éléments d'enlever les harnais. Et j'ai en face de moi monsieur Juscelin. Monsieur Juscelin. Oui. Quelles étaient vos appréciations en hauteur? Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore monté. J'attends peut-être l'après-midi, sera mon tour. J'ai vu les autres monter, mais là, c'était pas mal. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Merci. Et voilà. Voilà. Monsieur Jean-Marc. Ah bon? Comment pour la première partie, pour l'instant, les appréciations? Sauf François, il m'a mis en colère. Je vais enlever ça, les appels. Il va se rattraper. On revient au pylône 145 pour la deuxième partie pratique. Voilà. Non, rien, vas-y. Je dis d'y aller. Non, j'ai pas de harnais. C'est pas grave, il n'y a pas besoin. Je montre moi comment on fait. Voilà. Voilà. Monsieur Ngondo. Tu n'es pas habillé? Oui, vis-à-vis. Bonsoir. Voilà. François qui s'est détaché. On revient pour la deuxième partie. Pratique. On va se faire chicoter. Voilà. Monsieur Antoine, vous verrez. La deuxième partie. Là, il monte avec la ligne de vie. Installer la ligne de vie. Deux personnes. Installer la ligne de vie. Voilà. Le pylône 145. Voilà. Monsieur Antoine Berry, en train d'accompagner celui qui monte avec la ligne de vie. Ils sont là, les super monteurs. Monsieur Batala. Tala. Nous sommes étudiés, ça fait déjà 5 mois de cela. Là, nous sommes tentés de faire une esclage pour que nous aussi, nous soyons des monteurs confirmés. Donc, nous sommes au nombre de 10 monteurs. Les autres sont déjà en haut. Vous êtes tentés, vous avez vu l'image. Donc, les autres sont là. On va essayer de fumer tout le monde. Pour que
tout le monde ait le CD avec eux. Donc c'est pour cela que nous sommes ici. C'est ça, c'est le boulot. Nous allons beaucoup travailler, travailler dur pour avoir beaucoup d'argent aussi, c'est comme ça. Nous allons continuer. Sinon, nous allons partir jusqu'au Gabon avec notre soutenance de ENU. Si nous allons partir jusqu'au Gabon, c'est bon. Hier, vous étiez en formation théorique, oui. Écrite. Oui. Quelles étaient tes impressions par rapport à... Bon, vraiment, nous sommes au nombre de 10. On était 10. Il y avait eu beaucoup de résultats. Les résultats étaient vraiment merveilleux de tout le monde, tout chacun de nous. Donc, actuellement, nous avons fini la pratique. Et sur la pratique, nous sommes maintenant sur le terrain. Donc on continue toujours de beaucoup bosser pour que les autres qui doivent venir vers nous, après nous, nous allons leur montrer aussi la capacité des monteurs professionnels. Ok. Merci. Voilà, Monsieur Ndaï. Oui. Quelles sont tes impressions? Voilà, mes impressions, là, on est en train de deuxième tour. On était passé à la pause, là nous sommes au deuxième tour, donc on attend. Les autres sont déjà en haut, donc nous sommes déjà montés la première tour, donc on attend les autres. Donc on va voir l'examen. On va prendre tous les autres pour commencer pour en haut. Et tout, donc, c'est juste. Merci. Là, on a M. François. Tes impressions, M. François, par rapport à la formation? Par rapport à la formation, tout va bien. Nous sommes venus, nous apprenons de l'avant. Toujours. Le second tour, puisque nous avons terminé demain. Donc, on attend, puisque jusqu'à la fin, tout sera bien. Là, il est là, en train de faire un du 8. Voilà. Tu es déjà passé au deuxième montée, au deuxième tour. Non, deuxième tour, c'est la fois midi. Non, la fois midi, pas encore. Tes impressions par rapport à ce que vous avez fait le matin? Oui, c'est ça, elle était pas mal. Et non, ça, c'est ce que j'ai fait pendant les matins. Le matin, ça a été bon. Que cette chantier que ça gagne pas quoi. Ça gagne pas ce soir. C'est vous faites un nœud lapin? Non. Je vais d'abord le 8. Je vais faire le lapin après. On est de 8. On est de 8. On est de lapin. Pourquoi tu ouvres ça? Je fais un nid de lapin. Avec le mousqueton, hein? C'est ça. Avec le mousqueton, oui. Non, il y en a un. Attends, mon frère. Là, je fais la place. Descends. Là, je descends ici. Pour l'instant, on va attendre l'année de la plaque. Ok, monte. C'est bon. Non, c'est bon.
Vous êtes en train de faire le nœud de huit. Un nœud de huit. Oui. Un nœud de huit. Est-ce que c'est difficile de faire le nœud de huit? C'est pas difficile. Hein. Bon, et après, dès que vous allez finir le nœud de huit, vous pouvez faire encore quel nœud? Le nœud lapin. Lapin. C'est difficile aussi le nœud lapin? Vraiment, c'est pas difficile. Vraiment, c'est bon. Quand vous avez appris, c'est pas difficile. D'accord. Donc, c'est bien, nous allons voir. Ok, le nœud de huit. Pas de problème. Continue. Et là, je fais un nœud lapin. Ok. Ça, je ne vais jamais voir. Ça me fait combien de fois? Ah, tu tournes combien de fois? C'est ça. Ok, je vois. Ok, pas de problème. Merci. Voilà. Il nous reste deux personnes à démonter les deux lignes de vie. Toujours au pylône 145. Voilà. Pylône 145. Voilà, monsieur Jean-Marc. La motivation des éléments au chantier. Comment vous voyez ça? Ça va aujourd'hui? Oui. Voilà. Et là, on a une ambulance. Donc c'est lequel qui n'est pas monté ce matin? Vous pouvez un peu me présenter, présenter? C'est monsieur? C'est monsieur Claude Vissila. C'est pas monté cet après-midi. Et moi du premier d'état. Rien fait. Ah. Et vous êtes ici pourquoi? Bon, je suis pour la couverture médicale. Ah. Okay, bien. Voilà. Là, c'est le chauffeur. Vous pouvez me présenter votre nom? C'est monsieur André Binana, Tatanzambi. Ah, c'est Tatanzambi. Tatanzambi. Ah. C'est de Makanda. Ah, c'est bien. C'est le chauffeur. Le chauffeur. Ok. Voilà, le chauffeur de l'ambulance. Voilà. Voilà. Là, tu viens de descendre sur le pylône. Oui, oui. Et en quelques secondes, est-ce que tu peux déjà te présenter? Moi, c'est M. Richard Gounou. Hein? Et vos impressions sur la formation de cet après-midi? Les impressions sont les meilleures. Mm-hmm. Là, je reviens en haut. Mm-hmm. En 8 heures, enlever la ligne de vie individuelle. Mm-hmm. Là, me voilà descendu. Je suis vraiment très content. Ok. Et je voulais poser une question rapidement aussi. Qui vous a permis de faire cette formation? C'est Marie. Marie. Et en particulier la société, comment est-ce que vous l'appelez? Je suis à ETDE. Uh-huh. Et votre formateur, Félix, comment est-ce qu'on l'appelle? Jean-Marc. Jean-Marc Lecoq. Ok. Et je ne sais pas si la formation pour toi va continuer demain. Et tu as quelle motivation finalement? Non, la motivation, je suis vraiment très motivé. Mm-hmm. Par rapport à hier, on a passé un test écrit. Mm-hmm. J'ai eu 24. Mm-hmm. J'étais très ravi d'avoir 24. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que c'est une moyenne qui était appréciée par le formateur. Mm-hmm. Et aujourd'hui, nous sommes. C'est quel pylône déjà? Nous sommes au pylône 145. 145. Bois ça. Bois ça. Aujourd'hui, nous sommes à la formation pratique. Mm-hmm. Rien n'a signalé. Mm-hmm. Depuis ce matin, mm-hmm. Au formateur. Mm-hmm.
c'est tout. Ok. Monsieur, encore une autre question, voilà. Oui, je vais aller parler, oui. Poser une question. C'est la même question que j'ai déjà posée. Comment on appelle ça? Ça, c'est l'absorbeur d'énergie. Oui, et ça va? Ça, c'est le stock sheet. Et ça va? Ça, c'est les manicoches. Et ça va? Ça, c'est la longimétrie. Maintenant, l'ensemble, de, on appelle ça quoi? C'est l'armée. L'ensemble. Ok. Et qui, vous qui venez de poser la question à l'autre? Oui, je François Rampassi. Voilà. Nous sommes ici pour la formation. Mm-hmm. On a commencé le matin et on vient de finir. On vient de finir. Vraiment, mm-hmm. Tout est bon. On a dans les résultats de la part de l'Ecop. Parce que tu dois nous dire comme la décision finale, parce qu'on s'est dit de le matin. Et après, bon, demain, si on aura la chance, il sera des monteurs. Ok, une petite question. Oui. Et qui vous a permis de faire cette formation? Bon, la formation, c'est de la part de TTD. Ah, ok. L'un qui range la corde, là, en bas, le binôme, là. De faire cette formation. Ok. Donc, un mot, juste un mot pour finir sur la société ETD. Non, en tout cas, ETD, pour moi, vraiment, c'est une société qui m'a beaucoup aidé. Parce que cette formation-là, personnellement, je ne pouvais pas le faire, mais avec la société, j'ai pu avoir cette formation et j'ai cette joie-là. Ça ira jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà, pour revenir un peu sur quelques questions que tu venais de poser à l'autre, juste vous demander ce que vous avez porté, moi je ne connais pas. C'est mon stop chute. Le stop chute. Attends, je vais bien regarder ça, voilà. Et je suis ma taille continue. Et je n'ai même pas fini. Ça sert à monter sur la ligne de vie. Ça, c'est l'absorbeur d'énergie. Et ça, c'est le mousqueton. Bon, ça, c'est le manicroche. Ça, c'est ma longe de maintien. Et l'ensemble s'appelle l'arnée. Ok. En tout cas, je vous remercie. Et je reviens sur les deux candidats d'abord avant de passer par monsieur. C'est mon frère. Vraiment, nous sommes très contents. ET2 nous a fait un grâce d'avoir cette formation. Elle est chère, cette formation. Ah, très ouais. Chère. Effectivement. Parce que d'avoir déplacé un blanc, un étranger qui vient nous former ici au Congo, c'est très important. Vraiment de joie pour nous. Ok, donc je vous remercie pour le temps que vous avez disposé. Donc je passe par l'ancien. C'est un frère qui revient de Gualumkaï. On a fait la formation ensemble avec ce monsieur-là. Mais dommage, j'oublie aussi son nom. C'est monsieur Makaya. Monsieur Makaya. Donc je reviens sur monsieur Makaya. Bonjour monsieur. Vos impressions sur la formation que vous venez de passer? C'était habitation, c'est international. Voilà. Grâce à monsieur Lecoq. Jean-Marie Lecoq, c'est lui, c'est mon commentaire, il est là à votre côté. Voilà. Pour le gouvernement. Voilà. Pour le commentaire. Non, il n'y a pas du tout. Ok. Merci monsieur Lecoq, c'est voilà. Très bon noté, bien sûr les chapeaux d'âge. Conseil métallique. Ok. En fait, la même question qui revient, je vais faire appel à monsieur. Excusez, j'ai oublié le nom. Richard. Monsieur Richard. Oui. Voilà, et
si vous me permettez, vous me présentez un peu ce que vous êtes là. On servait au loisir. Ça va permettre, en cas de sujet, je tombe et chute. Ça doit me secouer au moins. Au lieu que je tombe sur une force grave, ça va permettre pour que je vois pas une fois. C'est ça. Bon, là, je le pince de deux, l'ange de maintien. Ça, je le pince de l'ange de maintien. Parce que, ensemble, le corps de l'ange de maintien. Voilà. Et ça, je le manicroche. Le stop shoot. Je ne vois pas le stop shoot. Et l'ensemble. C'est un café mignon. Et l'ensemble, voilà, c'est l'armée. C'est l'armée. Et que je vous remercie donc. Et voilà. Ok. Merci pour le temps que vous avez disposé. Vous, monsieur Gislain. Ok, merci, monsieur Gislain. Okay. On est ensemble. Ok. En tout cas, merci, merci. C'est mon jeune. Et c'est aussi un ancien ou bien c'est un nouveau? C'est mon grand frère, mais c'est un nouveau. C'est un nouveau. Mais il est nouveau parmi les anciens. Parmi les anciens. Donc le nouveau peut se présenter? Oui, je me présente. En quelques minutes. Je m'appelle Jean-Omer Batala Baunda. Je suis rentré à Sojeko. Je suis rentré à Sojeko le 20 janvier 2011. Ouais, donc juste aujourd'hui, je suis à Sojeko, mais actuellement, nous sommes venus en formation, nous sommes venus faire la formation. Mais ça se passe très bien, ça se passe très bien parce que nous avons commencé ça depuis hier. Donc ça se passe bien. On a fait d'abord écrit, là on a fini hier. Là, on est venu sur le terrain, on est en train de monter sur les pylônes. Vous voyez vous-même les actions qui se passent en haut. Donc, actuellement, nous sommes presque à la fin de notre formation. Je suis très fier parce que Sojeko m'a formé, il m'a formé. Il y a un blanc qui revient de France qui est venu nous former aussi. Il est venu nous former. Il s'appelle Monsieur Lecoq. Lecoq, Jean-Marie Lecoq. Donc je suis très fier parce que cette formation doit rester comme notre destin aussi. Vraiment. Donc là nous avons formé. Voilà, et vous pouvez me rappeler de quelle formation il s'agit? Oui, on nous a formé par monter en haut, par l'auteur. Comment on appelle formation là? Attendez un tout petit peu. Jean-Marc Lecoq. Donc, nous sommes là, vraiment, nous sommes fiers, on est fiers, tout le monde est content. Nous sommes au nombre de 10, vraiment, ça se passe bien actuellement. Donc, nous sommes contents, donc chacun de nous doit avoir son habilitation pour que nous fêtons, on doit fêter ensemble. Voilà, nous sommes maintenant, moi je suis à Bouansa depuis, ça fait déjà 4 donc, jours. Tu me donnes au moins le temps de te poser une petite question avant de finir. D'accord. Et Monsieur Makaya, vous pouvez venir un peu, voilà. Bonjour. Voilà. Monsieur Batala, Omer Batala. Moi, c'est Monsieur Makaya Mbazagirepel. Oui. Ok. Je suis déjà là, je suis dans cette boîte. Oui. Donc, je vais vous poser juste une petite question. Oui. Vous me permettez? Ça, c'est l'absorbateur. Ça, on appelle ça des mousquetons. Ça, c'est la top sheet. Donc, nous venons ici. Il y a le rallonge de maintien. Ça, c'est l'ensemble, c'est l'arnée. Regarde, à la cité, je vois les gens avec ce casque. Oui. Oui, merci. Ça, c'est les casques normalement des monteurs. Si tu es monteur, tu dois avoir les casques Müller. Toi-même, c'est écrit Müller. Donc, c'est les casques Müller, c'est pour les monteurs. Donc, nous avons fini notre formation, nous sommes très contents. Une petite question. Oui. Quel genre de diplôme on doit avoir après la formation? Et ça doit nous servir ailleurs? Si, ça doit nous servir, même jusqu'à Pointe-Noire. Tu peux travailler en mer. On demande cette habilitation parce que tu dois avoir ce diplôme, parce que tu peux travailler même en mer, tu peux travailler à la SNE.
Donc c'est comme ça. Donc il y a des gens qui auront la chance qui doivent partir à la SNE. Il y a des gens qui auront la chance qui doivent faire la maintenance avec le Sojoko, maintenance Sojoko. Oui. Non, nous sommes fiers pour notre gouvernement parce que c'est une formation, c'est un projet du gouvernement congolais. Et je voulais juste vous remercier parce que vous avez pris beaucoup de temps. Merci, merci. Vous avez pris beaucoup de temps et moi je vous ai pris aussi beaucoup de temps. Donc soufflez un peu et voilà, je passe sur l'autre. Voilà. Pour l'instant, ouais, on arrête là. Hangar, tu peux venir un peu? C'est moi qui pose les questions là. Pour l'instant, je suis journaliste. Bon, là, vous venez de monter sur un pylône. Ouais. Quelle est votre impression? Je suis très satisfait, très très satisfait. En tout cas, la formation là, pour moi, ça m'en profite de beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire. Tout ce que tu avais à dire. Ouais. Mais juste quelques questions encore, parce que là vous venez de porter quelque chose que je ne connais pas moi. Moi, je ne connais pas de nom et je ne sais pas si tu peux me les présenter. Oui, je m'appelle Guy Bernard Batantou Malo. Moi, je suis dans l'équipe du déroulage en taille. Donc, je remercie mon chef de chantier, Dominique Brachy, qui a songé à moi, afin que je puisse venir suivre une formation ici. Merci pour votre impression. Voilà. Ah non, je ne vais pas quand même dire ça. Palmarès. Vous venez de monter au pilon. Oui. Vos impressions? C'est vrai que au début, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, surtout quand tu montes là où il n'y a pas de marquis. Pour arriver à installer la ligne de vie, c'est tout un tas de problèmes. Passer au moins 35 minutes, voilà, mais ça va, dans l'ensemble ça va. Ouais. Il n'y a pas autre chose? Bon, juste remercier la société qui nous a permis quand même de faire cette formation, la ITBE, et remercier aussi Jean-Marc Lecoq qui a pris tout son temps de nous former. Hier, on a fait d'abord la formation théorique et aujourd'hui, c'est la pratique. Donc, nous sommes sur le terrain. On essaie de pratiquer ce qu'on a pris en théorie. Et voilà. Merci. Donc, ils importent seulement. Ils en mangent aussi. Voilà. L'ambiance. Voilà, regarde, lui il monte bien. Regarde, filme-le. Voilà, l'ambiance. Voilà, notre frère Mbéry Antoine, en moteur, enlever la ligne de vie. Ah, c'est qui était là-haut tout à l'heure? Le dernier qui était là-haut. Ah, il est là-bas. C'est toi? C'est pas lui. C'est lui. On n'est jamais uniquement sur la ceinture. Avant d'enlever le stop-chute, tu mets l'étain. Oh! Tu fais quoi là-dedans? Non, il faut la rouler comme ça, celle-là. Une carte. Tout à l'heure à la villa, tu n'as pas de chance. Mais comme regarde, pas ici, de vécu. C'est un sauf, hein. Pas de vécu. Mais vous avez vos pieds, vos jambes. Vous pouvez le macadam. C'est nous aussi. C'est aussi une formation. Voilà, c'est Tendem qui dit ça. Le dieu de la terre. Un monteur, c'est un soldat. Hein. Là, vous, maintenant, il vous manque des parachutes pour au moins les parachuter. Oui. Voilà, l'ambiance. Donc,
trouver. Tout en chantant. Voilà, c'est mes dessins. Non, mais c'est ça. L'hymne national de la société ETD. Oh, mais il n'y a pas de chute. Il est là en train de suivre les mouvements. En cas de chute, il sera là rapidement à secourir. Voilà. Toujours au bilan 145. Voilà, les gens de la sécurité en ligne. Ça, c'est les agents de la sécurité en ligne. Ils sont là au pylône 145, au carrefour. Voilà. Voilà. Je peux te présenter, monsieur? Je me présente Nadiala Victor, oui. L'agent de la sécurité de ce GECO. Voilà. Je fais la sécurité à la Bouchon vers le pylône 145. Okay. Donc là où je travaille, moi, il y a ce GECO qui est passé là-bas. Okay. Sans ce GECO, tu ne peux pas passer. Ah, c'est ça. C'est ça, vraiment. Donc même les véhicules, les taxis là ne peuvent pas passer où? Ils ne peuvent pas passer là. Ils peuvent pas. Okay. Là, c'est ce GECO. C'est très bien. Mais vous êtes là combien? Tu es seul? On te voit seul là? Oui, là je suis seul, mais... La journée tu es seul, la nuit vous êtes deux. C'est quoi ça? Ah, c'est bien. Ouais. Merci. C'est très bien. Des gens de la sécurité en ligne. Il est là aussi en train de voir, d'observer ce qui monte sur le pylône. Ouais, ouais. C'est ça aussi la sécurité. Moi je suis ma sécurité juste au pylône. Voilà. Vous faites la sécurité jusqu'au pylône. Jusqu'au pylône. Oh. Ouais. Parce que là, je suis en train de sécuriser. Voilà. Les gens de la sécurité en ligne. Ça, c'est les agents de la sécurité en ligne. Ils sont là au pylône 145, au carrefour. Voilà. Voilà. Je peux te présenter, monsieur? Je me présente Nadiala Victor, oui. L'agent de la sécurité de ce GECO. Voilà. Je fais la sécurité à la Bouchon vers le pylône 145. Okay. Donc là où je travaille, moi, il y a ce GECO qui est passé là-bas. Okay. Sans ce GECO, tu ne peux pas passer. Ah, c'est ça. C'est ça, vraiment. Donc même les véhicules, les taxis là ne peuvent pas passer où? Ils ne peuvent pas passer là. Ils peuvent pas. Okay. Là, c'est ce GECO. C'est très bien. Mais vous êtes là combien? Tu es seul? On te voit seul là? Oui, là je suis seul, mais... La journée tu es seul, la nuit vous êtes deux. C'est quoi ça? Ah, c'est bien. Ouais. Merci. D'accord. C'est très bien. Des gens de la sécurité en ligne. Il est là aussi en train de voir, d'observer ce qui monte sur le pylône. Ouais, ouais. C'est ça aussi la sécurité. Moi je suis ma sécurité juste au pylône. Voilà. Vous faites la sécurité jusqu'au pylône. Jusqu'au pylône. Oh. Ouais. Parce que là, je suis en train de sécuriser les gens qui viennent de passer leur test de montage. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, les gens ne peuvent pas passer aussi vers le pylône là, passe. Vers le pylône là, ils ne peuvent pas passer. Ok, merci. D'accord. C'est très bien. C'est monsieur Mabiala. Il est là. Monsieur Mabiala. Victor. Monsieur Mabiala Victor est là, l'agent de sécurité en ligne. Ok. Il est là au carrefour. Voilà le barrière du carrefour. Barrière du carrefour. Ceux qui peuvent passer là, que des véhicules de ETDE Sojeko. Voilà. Plus question les véhicules privés. Mais ils sont là aussi à observer les gens qui font le test pratique. C'est aussi la sécurité. Voilà. Voilà. C'est monsieur François. Ça, c'est monsieur... Voilà. Homer. Monsieur Homer. Monsieur Makaya. Les grands monteurs de ET2. Voilà. Okay, merci.
Et là, c'est monsieur, monsieur Juscelin. Là, c'est monsieur. Vos impressions, tu étais en hauteur, quelles étaient tes impressions? La formation est bien passée. Tu n'as pas autre chose à ajouter selon la formation? Tu n'es pas content? Nous sommes contents. En tout cas, quand même, ça va. On a passé la formation bien. C'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu. Okay. Le Dieu noir. Dieu mille. Le Dieu noir. Le Dieu mille. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est le grand vis-à-vis. Le vis-à-vis. Oui. Le grand vis-à-vis vis-à-vis. Vraiment, la formation est bien passée. Ouais. On n'a pas des inquiétudes aux autres. Ouais. Tous on est humble. Tous on est humble puisque on aimait toujours le boulot. On a eu quand même le boulot. C'était une interview aussi. Beaucoup important. Le numéro du chauffeur. Quelle était la difficulté des éléments sur le pylône, monsieur Jean-Marc? On va dire qu'aujourd'hui ça a été. Je crois que aujourd'hui Sogeco a 10 nouveaux monteurs. Vous avez bonne équipe. Bonne équipe. Une très bonne équipe. Merci. Voilà. Oui. L'équipe d'Entobayo. Monsieur. C'est monsieur Achille. Monsieur, moi je suis là avec toi. Ça c'est Mungongo Taba. Ah, tout le monde sont là. Tout le monde sont là. Ça c'est le doyen Edouard. Non, c'est bon. Ça c'est tout le monde sont là. Ça c'est le doyen Tobayo, le chef d'équipe. Ça c'est ça c'est ah oui, ça c'est le chef d'équipe. C'est ma classe. Voilà. C'est ma chef d'équipe. Voilà. Mais monsieur Ntoba, vous venez sur le chantier voir les éléments. On a là notre HSE, qui est monsieur Martial. Tu es venu voir les éléments. Il y avait trop de bruit, un tel est monté, un tel a réussi, il fallait que je vienne voir. Merci, merci beaucoup. C'est monsieur Martial, lâchez-le. Monsieur Richard, ouais, c'est moi. Je suis ravi de voir. Elle arrive la corde, monsieur Thomas Dastique, Clavert. L'équipe a fini. Là, il. Ah, laisse de faire ça. Il y a quoi? Voilà l'équipe, les gens enlèvent leur harnais. Voilà. Ma tiens. Ma. Viens me filmer. C'est bandit. Voilà. Mais tu n'es pas en tenue, monsieur. Hein? Je suis en tenue et tenue. Non. Mal formé. Un bandit comme toi là. Il y a un gars là qui s'appelle Ngono Richard. Ils enlèvent les armées. Ils sont finis. Donc, de ce monde-là, là-bas, c'est le coq. Il est en train de arranger les choses. Tout à fait. Il y a d'autres qui sont là. Et d'autres ne sont pas. Ouais. Eh, vous mélangez pas, si eux ils ont des sacs, vous les mélangez pas, hein. Ça c'est un monsieur. Ah, monsieur Guy. Elle arrive la corde, monsieur Thomas voilà. Dastique, Clavert. L'équipe a fini. Là, il. Ah, laisse de faire ça. Il y a quoi? Voilà, l'équipe, les gens enlèvent leur harnais. Voilà. Ma tiens. Ma. Viens me filmer. C'est bandit. Voilà. Mais tu n'es pas en tenue, monsieur. Hein? Je suis en tenue et tenue. Non. Mal formé. Un bandit comme toi là. Il y a un gars là qui s'appelle Ngono Richard.
J'enlève les armées. Ils sont finis. Donc, de ce monde-là. Là-bas, c'est le coq. Il est en train de d'arranger les choses. Tout à fait. Il y a d'autres qui sont là. Et d'autres ne sont pas. Ouais. Eh, hey, vous mélangez pas. Si eux, ils ont des sacs, vous les mélangez pas, hein. Ça, c'est un monsieur. Ah, monsieur Guy Bernard. Il est là en train d'arranger son armée. En bonne position. Oui, il y a une ligne de vie individuelle là-bas. C'est pour qui? C'est pour qui? La ligne de vie individuelle. Ah, ouais. Ça, c'est un monsieur. Monsieur Mandekessé. Il enlève son armée. Ah, vraiment. C'est des habits. En bonne position. Et vous laissez pas de bouteille d'eau ici, hein? Je voulais écouter monsieur Ngondo Alain. Vraiment, il est là en personne. La formation est bien passée. Bien passée. Vraiment, pas de quoi, pas d'inquiétude. Même le coq a apprécié, selon depuis longtemps qu'il a commencé à former les gens. La première équipe qui il n'a pas beaucoup parlé. Et vraiment, c'est bon. C'est bon. Merci. Quels sont tes sentiments? Non, vraiment, je suis beaucoup ravi. Ah, d'accord. Selon le boulot que j'ai appris. Ah, d'accord. Là, je passe d'abord chez monsieur Justin. Il a enlevé tout en armée. Il est maintenant civil. Oh, avec son eau, il boit de l'eau là. Monsieur, quels sont tes sentiments à travers de la formation que tu as passée? On est ravis. Parce que ETDO nous a permis de faire cette formation. Voilà, demain ou après-demain, voire lundi, on va déjà commencer les travaux en hauteur. Ah d'accord, voilà. J'ai compris que... En fait, je serai un peu... C'est vrai, pour un début, ça sera un peu difficile, mais quand même, je vais essayer de t'égaler. D'accord. Tu es mon ancien. Ah voilà. Là. Bonsoir, monsieur. François Mampassi. Monsieur François. Mampassi. Monsieur François. Oui. Mampassi. Monsieur François. Oui, on était en formation, on vient de finir, là, on reparle chez nous. Il n'y a plus rien à dire pour la journée d'aujourd'hui. Donc tu es content, content sur la formation? On est content parce que d'après monsieur le formateur, il nous a dit que depuis qu'il a commencé à former, c'est la meilleure équipe. Donc tous les 10 éléments sont passés comme monteurs. D'accord, ouais. Je vous remercie. Ouais, c'est quoi? Voilà, ça sent monsieur Mbéré Antoine. Tu es là en personne, quels sont tes sentiments? Moi, j'attendais ça, pas seulement. Donc, je n'ai rien à dire. On a mérité. Nous sommes formés pour ça. Ah, d'accord, monsieur. Ouais. C'est monsieur. C'est monsieur Makaya Girideu. Monsieur Makaya. Girideu. Ah, vraiment, je t'ai vu aujourd'hui avec un casquette ITFH. Un sentiment, quel est ton sentiment, monsieur? Ah, le sentiment, c'est vraiment, c'est trop, puisque même, plus que même la femme, quoi. Ah. Parce que ça, c'est la dédication que je dois avoir vraiment, c'est vraiment servir toute ma vie. Donc, tu as mérité? Je l'ai mérité. Alors, donc, tout le monde, vous êtes vraiment. Je suis là, à ma droite. Ah là là là. Ok, merci. D'accord. Tu parles en face toi. Oui. Et c'est moi de mettre tout le matériel. Tu sais quoi, là, aujourd'hui, j'ai deux caisses de Primus avec eux. Deux caisses de Primus. Monsieur Ngono. Tu n'as pas parlé. J'ai fini de mettre le marmé, le sac. Je n'ai pas beaucoup à dire. Hein. Ah d'accord. Sinon c'est bien passé. Bien passé. Et donc aujourd'hui tu as bien creusé. Bien creusé. Ah là, d'accord. Avec... Ah là là. C'est grave. Hein. C'est pas grave. C'est bien apprécié. Alors. Vraiment. Hop, dépêchez-vous. Mais je veux écouter le lieutenant, mon tabac. Non, ça doit se passer. Faut toujours avoir sa vie. L'impression par rapport aux questions. Non, j'ai très bien admiré ça. C'est normal, c'est juste. Pour qu'on puisse renforcer, n'est-ce pas, les monteurs. Oh, jamais, vraiment, merci, vraiment. C'est très bien passé avec monsieur Alain Ngondo. Vraiment. Ah, ça c'est un goût. Et lui, c'est malgré que la main noire.